Non, 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 Putain. reprenez, reprenez vite, vite, remonte. Donc je peux vous donner votre permis qu'à une seule condition. Donc vous devez vous cracher. D'accord, je la récupère où? Dans ton... Salut à tous, c'est Emine et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais passer mon permis avion. Donc normalement, j'ai rendez-vous aujourd'hui. Alors, il est quelle heure actuellement? Il est 6, ouais, 8h, voilà, je suis un peu en retard parce que c'était à 8h. J'ai rendez-vous avec mon moniteur, donc qui m'attend, mon moniteur qui s'appelle Pedro del Pablo de la Salle, voilà. Et donc voilà, je vais passer mon permis, donc tranquillement, donc voilà, on va aller vers les personnes pour voir comment ça va se passer. Bonjour! Bonjour! Bonjour, j'ai rendez-vous à 8h pour mon permis. Pour permis d'avion. Ah, vous, c'est quoi le nom de vous? Jean Lassalle. Jean Lassalle, mon... D'accord, vous avez le permis, vous avez code, vous avez quoi? J'ai le code d'avion et là je passe le permis aujourd'hui en fait. Je suis actuellement à Saint-Quentin. D'accord, je m'en fous. Alors, code d'avion, c'est quoi alors? US Air Force. Bah, le code, moi, j'ai plus R1, triangle, rond, carré, croix, 6, Ah, 8, R1. carré. R1 triangle. D'accord. Écoutez, vous avez déjà conduit avion avant? Oui, bah je suis à 50 heures, je vous ai dit. J'ai déjà conduit le 50 blanc heures. derrière vous et le jaune. D'accord. Et vous trouvez que c'est tenue adéquate pour conduire avion? Bah écoutez, on m'a pas dit. Enfin, venez comme vous êtes, quoi, comme chez McDo. Moi, Donc. je suis russe. Calme-toi, toi. Attendez, nous, chez les Russes, c'est comme ça. Attendez, parce que voilà, c'est bon. Donc, d'accord. Bah, écoutez, je vais vous demander de me suivre. J'y vais. D'accord, je vous suis monsieur. Et vous, vous êtes qui en fait? Bah, je ne sais pas non Vous êtes plus. Je pilote suis aussi un parce que je vois gars. que vous avez une tenue. Ah non, non, moi, je me suis incrusté. Je me fais passer pour quelqu'un. D'accord. Et votre collègue à côté? Qui? Mon collègue là? Oui. Voilà, c'est bon. Donc, Vous avez du mal, c'est hein? simple. Je vais vous présenter. Attendez, parce que chez vous, nous, les employés, voilà. Hein. C'est bon. Bonjour. Alors, donc, ça, c'est monsieur. Bonjour, je suis le commandant Gemal au fion. D'accord, Vous bonjour. êtes. Vous êtes monsieur Jean Lassalle? C'est bien ça, monsieur Jean Lassalle, ici même devant vous. Très bien. Et j'aimerais, si Ouh! possible, voilà, passer mon Vous permis. avez été à. Vous avez été accueilli par Capitaine Boule de Zob, ici présent. D'accord, Bonjour. enchanté, enchanté. Bah, franchement, très très sympathique. Voilà. Ah, j'arrive deux Ok. secondes. Capitaine Boule de Zob, tu peux vérifier l'avion? Alors en tout cas, sachez que moi je suis à 50 Ouais, heures de vol. bonsoir, bonsoir monsieur. Je vais Bonsoir. vérifier l'avion. Lui, c'est lieutenant Mortecouille. Bonsoir, Très lieutenant. bien, attendez, je vais aller vérifier. Bon, vous savez, Ok, fais un petit tour, monsieur. lieutenant Mortecouille, pendant que j'explique à monsieur Jean Lassalle comment ça va fonctionner aujourd'hui. Alors comment ça va se passer? Alors moi je vous explique que je suis à 50 heures actuellement. Donc c'est le. Alors c'est 45 heures hein, pour le permis avion. Et voilà, moi j'ai pris 5 heures de plus. Voilà. Pardon. C'est parce que j'avais une chatte dans la Ouais, bon, gorge. bonsoir. Bonsoir. Pouvez m'emmener, je viens de sortir de prison. Bah écoutez, Alors, je suis vous êtes ici évadé. dans un aérodrome privé, d'accord? Oui? Donc vous allez immédiatement quitter les lieux avant que je vous sorte ma grosse matraque et que je vous l'enfonce là où vous savez. Très bien. Monsieur Jean Lassalle, Oui. pour piloter un de mes avions, Oui, bonsoir. Et Je suis Michael monsieur Myers. votre personnel, il y a tes. Écoutez, c'est pas le carnaval ici, hein? Je suis Où Michael Myers, vous allez vous en aller ou merde? Ou j'appelle les flics? Et enfin, dites madame, ça va aller, hein? Bon, je vous explique. Alors. Ici, vous êtes chez moi, d'accord? Chez moi, pour piloter un avion, il faut d'abord passer un test. On ne monte pas dans un avion sans avoir passé un test. Donc le Bonsoir. Casa de Papel, je vais braquer banque. Je m'appelle Moscou. C'est bon. Ah, On ça s'est fait. occupé. Merci, hein. Parce que franchement. Non, c'est Voilà. parce que si on les tue pas, ils s'en vont pas. C'est comme ça. Donc, premier test, vous voyez ce jeune homme, c'est ce qu'on appelle un cobaye. D'accord. D'accord?
Donc voici le cobaye 5 998 769. Il y en a eu des cobayes, hein. Bonsoir. Ah, on a sacrifié un pays entier, hein, c'est tout à fait normal. Par contre, je vous explique juste un truc. Ah, mais c'est moi, je suis ton collègue, c'est je vais mettre Ah, l'essence. ah, je t'avais Ouais, pas reconnu de dos. ouais, je sais, j'ai un peu bronzé du visage. Donc je vous explique. Il faut d'abord que je sois sûr que vous n'allez pas paniquer en avion. Donc pour être D'accord. sûr de ça, vous devez massacrer à main nue le cobaye, 5 millions et quelques. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà. Encore. Encore. C'est bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Attendez, j'ai pas fini. Ok, Voilà, c'est terminez-le bon. vraiment, hein. Terminez-le au sol, C'est bon, c'est bon. voilà. Est-ce que ça vous a fait du bien? Ça me procure un... Oui, ça me procure un bien, effectivement. Vous Ça me vous donne envie sentez de un peu mieux? piloter. Ok, très bien. Alors, l'avion est prêt, donc vous voyez, il est sur la piste là-bas, mais, hop, 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 hop. On n'y va pas comme ça, d'accord? Donc, vous venez avec moi. Je vous suis. Allez. Allez, vous me suivez. Allez, allez, allez. Allez, allez, on Plus se vite. motive, hein. Voilà, vous montez dans cet avion. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. D'accord. Donc vous attendez que je monte avec vous. D'accord. Hein, vous partez pas seul. Non, bah non, bah vous savez, c'est mon but aujourd'hui, c'est de passer le permis, hein. Donc, vous allez accélérer, monter, ranger les roues, continuer à monter, monter, monter. Ensuite, on se jette, on saute en parachute, on atterrit sur l'avion à votre gauche US Air Force. D'accord. Et là, prends les commandes de l'avion jaune, enfin vous les prenez, je monte avec vous, et là seulement l'heure de conduite commence. C'est Je vais sur parti. le permis, hein. Je vais sur le tarmac, pardon. Non, vous savez, on est chez moi ici, vous pouvez aller où vous voulez. Allez, on décolle. On range les roues, on va plus haut, allez, 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 on monte, on monte, on monte, on monte, encore, 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 on encore. cadre bien? Bah écoutez, moi je Encore, suis encore. comme ça. Allez, on saute, on saute! On saute, allez, 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 vous sautez, voilà, là vous m'entendez, hein. Toki-walki, vous me recevez, Je ouais, vous reçois tirez. 5 sur 5, commandant. Ok, ouvrez votre parachute, atterrissage sur l'avion jaune, US Air Force. Ok. 5 sur 5, monsieur. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parfait, je pense que vous êtes prêt à attaquer l'heure de vol, là vous pouvez monter. Et je monte avec vous. D'accord. Mais écoutez, franchement, c'était... Ça commence bien, hein. C'est agréable. Excuse-moi, Il y a de collègue. l'adrénaline, quoi. Collègue, j'aimerais te parler. Ne décollez pas. Ne décollez pas, je reviens. D'accord. Oui, donc je te préviens parce que j'ai checké un peu son nom, son permis d'avion, etc. Il en a pas. Et puis la dernière fois qu'il a conduit, il paraît qu'il a tué tout le monde à bord, quoi. Puis lui, il a réussi à survivre, on sait pas comment, mais il sait pas conduire, quoi. Fais attention. Non mais justement pour le braquage de ce week-end, j'ai besoin de quelqu'un et il pourrait faire l'affaire lui en tant que pilote. Ouais, au pire, ouais. Mais fais attention parce que déjà, je sais pas si t'as vu, mais il a tendance à toucher son zizi au lieu de toucher le pommeau de vitesse, quoi. Donc fais Je crois attention. que c'est pas un zizi qu'il a. Ah ouais, tu Il penses? me semble que c'est un bras, il a mal été conçu. Ah ouais, ok. Bah faut faire attention parce que il est bizarre lui, hein, je te le dis. Ouais, parce que quand il est venu pour me serrer la main, son bras est sorti de son caleçon, j'ai pas compris. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Bah je sais pas où il a mis son pied, j'espère qu'il est pas. Enfin voilà, quoi, on va pas rentrer dans les thèmes, mais fais gaffe, quoi, il est un peu instable. Tant que son anus est au bon endroit, je veux dire. C'est vrai, je suis d'accord. Bon bah bon vol, hein, et puis prie, hein, si jamais, fais attention, quoi. Oh, bonjour, C'est bon, monsieur. Alors, monsieur? comme mon collègue me l'a indiqué, je vous prie de bien vouloir décoller. D'accord. Alors vous me dites à partir du moment, enfin quand est-ce que je décolle ou je fais comme que j'apprends en cours? Non. C'est-à-dire que vous décollez. Posez pas de questions, vous décollez. Voilà, c'est très bien. Allez, on décolle. On décolle, On on peut y décolle, on aller. décolle. Et là, on se dirige vers la droite. Je range les Non, roues. avec la touche R1, pas comme ça. Non, 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 non. Vous D'accord, c'est bon, remettez voilà. droit. R1. Voilà, avec R1. Donc là, vous prenez un peu d'altitude.
Allez, allez, on prend de l'altitude. Vous voyez la Maze Bank? Vous Oui. dirigez vers la Maze Bank. Premier exercice, vous allez devoir frôler la Maze Bank. Ok. Attention, sans faire de victime. D'accord, pas de souci. C'est De l'exercice face comme numéro ça, il 1. n'y a pas des... De face, de dos, peu importe. L'important, c'est de la frôler. Donc vous descendez un peu, là vous êtes trop haut. Allez, allez, on descend encore un petit peu. Voilà, c'est bon, on est bien là. On est bien. Voilà, on monte pas, on monte pas. Surtout, on ne monte pas, j'ai dit. Voilà. C'est bien. Deuxième exercice. Donc vous allez tourner à gauche avec L1, bien évidemment. Ne commencez pas à nous faire des loopings. D'accord? Vous n'en êtes pas encore là. Donc vous tournez avec L1. Allez, allez, on Voilà. tourne, on tourne. Je tourne, je tourne. Encore, voilà, encore. Allez, allez, on tourne, on tourne. Allez, encore, Voilà. encore, encore, encore. Stop, stop. On stabilise. Voilà, bon. Est-ce que vous voyez sur votre droite une piste d'atterrissage à l'aéroport? Oui. Donc vous dirigez vers la piste d'atterrissage, mais attention. Attention. Oui. Je vous écoute, commandant. Attention. Attention. Il faut que j'appelle 2 secondes. J'appelle le lieutenant Mortecouille. Lieutenant Mortecouille, est-ce que vous me recevez? Je reçois, je reçois 5 sur 5. Attends, 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 lieutenant, parce que là, il me fait chier. Non, vous n'atterrissez pas, vous restez. Non, non, vous n'atterrissez pas. Donc vous restez ici en lévitation. Tournez à gauche, tournez à gauche, tournez à gauche. Allez, tournez à gauche, tournez à gauche. Encore, 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 encore. Voilà, c'est bien. Restez en lévitation ici, hein, surtout, voilà, restez comme ça. Continuez. Lieutenant Mortecouille, est-ce que tu me reçois? Je te reçois à 5 sur 5. Ok. Oui, c'est les aliens, ils ont pris la voiture. Je crois que le signal est intercepté par une vie extraterrestre. Lieutenant Mortecouille. Commandant? Je ressens, je ressens. Attends, parce qu'il me pose des questions. Oui. Je dois faire quoi? Alors, vous restez en lévitation. Au-dessus de l'aéroport? Voilà, en lévitation. C'était pourquoi que je fais du coup. Alors, en lévitation, c'est pas ce que vous faites. D'accord? C'est-à-dire. En lévitation, c'est vous restez dans les airs, mais vous ne volez pas. Comme ça. Donc, vous devez trouver comment rester dans les airs sans voler. D'accord. Voilà. Capitaine, lieutenant Mortecouille. Le temps, du coup, je vous entends. Très bien. Donc là, il s'apprête à se poser dans le hangar. Donc il faudrait libérer, balayer, épeurer, Cherche deux musiques différentes. partager. Vous êtes motivé aujourd'hui, commandant? Alors, donc vous allez vous poser dans le hangar derrière vous. Donc allez. Allez un peu plus loin pour faire demi-tour. Non, 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 vous allez plus loin, voilà. Allez, on va plus loin. Négatif, l'hangar, il y a trop d'avions, on peut pas aller bouger, donc vous pouvez prendre l'hangar au fond, à gauche. Positif, on va quand même se poser malgré tout. Ok, donc sache que tu étais un collègue formidable. Chut, également de même, idem. Donc, vous allez vous poser dans le hangar. Attention, bien évidemment. Hein, non, 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 reprenez un peu d'altitude. Allez, Je te vois depuis la tour, qu'est-ce qu'il est vraiment con, il est pas sur la piste quoi, Non, non, putain. non, reprenez vite, vite, remontez. Voilà, stop. Allez, en bas, en bas, en bas, en bas. Dans le hangar au fond. Allez, garez-le. Allez, allez. Oh, non, non, levez, non, non. Oh là 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 là. Putain, qu'il est vraiment con quoi. Nous chercher à l'hôpital, je sens que je m'évanouis là. Donc, nous reprenons, très bien. Donc, nous allons Ah, j'ai un passer. peu mal au niveau du bras. Regardez. Attendez, c'est bon, voilà. Allez, vous montez dans celui-ci et je vais vous expliquer comment va se passer la suite. Vas-y. Bon, je peux vous Je donner vous votre regarde permis? actuellement, je suis en... Je vous regarde. Donc je peux vous donner votre permis qu'à une seule condition. Oui.
Donc vous devez vous crasher avec cet avion sans mourir. Sans Donc, mourir? à vous de décider où est-ce que vous voulez vous crasher. Bon, j'ai un petit faible pour la Maze Bank, donc si vous pouvez vous crasher sur la Maze Bank. Alors, donc je vous explique un peu comment ça devrait se dérouler. Donc, vous arrivez par le bas, vous montez, montez, vous perdez de la vitesse. Et là, vous posez l'avion sur la Maze Bank en vous crachant, en restant vivant. D'accord, ok. Bah, je vais essayer. Alors, si vous arrivez à faire ça, je vous donne donc votre permis B, Mais on qui vous risque permet de s'en de sortir ou conduire pas? des quads à 11 000 euros. 11 000 euros, il a dit. De quelle marque? Casimir. Je viens de taper l'avion, c'est... Oh là 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 là. Effectivement, il tape l'avion un peu partout. Je ne sais pas si on pourra le prendre pour le braquage de ce week-end, mais en tout cas, pour l'instant, Synchro on trop. s'en cracher, on aura besoin de lui parce que ce week-end, il faudra se poser au Mont Chiliad. Je peux décoller? Très bien, donc je vois que vous avez déjà les bases, donc vous pouvez décoller. Alors, attendez, je vérifie. Alors, ok, le signal GPS marche bien. Hop, hop. C'est bon, vous êtes bien installé, copilote? Faudrait que tu lui dises Par qu'il contre, enlève les warnings. ok, warning activé. Bien, très bien reçu, warning, warning. Non, non, attendez, attendez, vous décollez pas comme ça, et oh. Vous allez d'abord me réciter le théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore, si A plus B au carré égale à B, alors nous pouvons décoller. Non, 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 non. Non, non, Il non. a essayé de nous carotte, hein, j'ai entendu. Mais vous voulez le vrai théorème de Pythagore alors? Je veux le théorème de Pythagore, sans quoi je ne peux pas vous laisser décoller. Oui, mais monsieur, vous savez, moi, j'ai un peu perdu les bases. Alors, si A BC est un triangle rectangle en A. Alors BC au carré Collègue, est-ce que tu m'entends? égale AB au carré plus AC au carré. Ok, BC, on peut l'appeler comment BC? Comment ça? Comment on appelle le côté BC? Bah c'est le carré d'hypoténuse. Hypocondriaque. C'était un indice. Le carré d'hypoténuse, je vous ai dit. Donc le côté BC, c'est l'hypoténuse. Voilà, donc si le carré d'hypoténuse est égal à la somme des deux carrés des autres côtés. À la somme, quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, la somme étant indiquée au niveau du prix. Donc vous pouvez décoller, donc vous allez décoller, mais d'après Pythagore. D'accord. Collègue, est-ce que tu m'entends? Là, vous décollez d'après Thalès. Il faut décoller en Pythagore. Allez, allez, en Pythagore, tout de suite, voilà. Voilà, on range les roues. Voilà. Très bien. Vous savez, j'ai appris les bases, hein. Oui, Je sais pas si vous connaissez un certain Nicolas vous qui pouvez fermer votre gueule, je parle au lieutenant, s'il vous plaît. D'accord. Et lieutenant Mortecouille, je te reçois. Oui, j'aimerais te faire écouter une petite musique, ça te Je dérange pas. t'apprécie. Ça fait plaisir. Oui, voilà, c'était une nouvelle musique. Merci pour cette petite musique. Il faut donc se crasher au niveau de la Maze Bank. Alors attention, tout se joue maintenant. Allez-vous obtenir votre permis? Il faut monter, prenez de la vitesse, montez. Montez, 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 sortez vos roues, sortez vos roues, sortez vos roues, montez! Et là, on coupe le moteur, on coupe tout, on coupe tout, on coupe tout. Très bien, on s'est crashé. Est-ce que vous êtes vivant? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous êtes vivant? Je vous reçois 5 sur 5, commandant. Il est vivant. Il est vivant. Il obtient donc son permis d'avion. Bravo, très bien. Vous êtes reçu. Écoutez, Eh vous êtes bien, moi réincarné j'ai en qu'une chose à quoi? dire, c'est bien merci, monsieur. Eh bien, écoutez, j'ai qu'une chose à dire, de rien. Ce fut une belle expérience, en tout cas. Vous avez une bonne équipe, vous et votre lieutenant mort de couille. Merci, je
Avant de se quitter, j'aimerais quand même soulever une interrogation. Est-ce que c'est un bras ou un zizi que vous avez dans le caleçon? C'est les deux. En fait, Ah. je suis né comme les comme Collègue, est-ce les. que tu m'entends? J'ai une grosse information juste avant. Je te reçois, je te reçois. Oui, donc j'ai entendu, là, tu parlais de son fameux bras dans le caleçon. Là, tout à l'heure, quand il s'est changé pour la tenue de vol, j'ai vu sur les caméras de surveillance, le problème, c'est que monsieur a un micro-pénis. Voilà. Merci pour l'information. Écoute, je vais lui poser la question tout de suite. Donc j'ai une question, simplement, c'est pour vous donner le permis ou non. Oui. Dernière petite question, est-ce que avec votre bras, donc que vous avez dans le caleçon, est-ce que vous arrivez à vous gratter l'anus? Excusez-moi. J'arrive, ouais. Excusez-vous. J'arrive. Très bien. Eh bien écoutez, vous êtes reçu, donc vous allez aller chercher votre feuille. Donc c'est pas une feuille jaune ni rose, mais c'est une feuille de bambou. D'accord. Je la récupère où? Dans ton cul, puisque t'as dit que tu pouvais gratter ton anus.